Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous retrouvons pour un nouveau mode LOL. Donc deuxième épisode, donc je tourne donc 2 jours après le premier épisode il me semble, donc je n'ai pas encore recueilli vos impressions sur ce jeu. Je tenais juste à vous dire 2-3 trucs avant de recommencer donc une partie d'entraînement avec les bots. Premièrement, donc concernant les tests de reconnexion que j'avais, j'ai vu qu'on était beaucoup, plusieurs, à avoir ce genre de problème. Qu'apparemment, donc, la société donc Riot, hein, qui s'occupe de League of Legends, est sur le coup pour essayer de résoudre le problème. Voilà. Et concernant, je n'avais pas porté de précision sur la fréquence de sortie de cette série. Donc tout simplement parce que je n'arrivais pas à estimer le temps que ça mettrait à tourner les vidéos. Et donc là, vu que le premier épisode est... vu que j'ai tourné le premier épisode, je sais à peu près comment ça va se passer. Donc je ne peux pas garantir de temps régulier à la sortie de cette série. Ça veut dire que peut y avoir un épisode tous les mois, comme toutes les semaines, comme... Enfin, toutes les semaines, ça m'étonnerait beaucoup. Franchement, ce serait plus du genre de 1 par mois, voire même 1 tous les 2 mois. Parce que jouer à un jeu, c'est une chose, mais faire des vidéos dessus, c'en est une autre. Et le traitement vidéo de l'épisode 1 m'a pris énormément de temps. Le PC a tourné pratiquement toute la nuit qui a suivi donc le tournage du premier épisode, et donc voilà, donc c'est très très lourd pour faire des vidéos sur League of Legends. Donc je ne peux pas garantir une fréquence de sortie. Et puis vous savez très bien, pour ceux qui me suivent d'un peu plus près, que je suis que je fais actuellement des hautes études et qu'évidemment je dois continuer à y consacrer du temps, que les projets que j'ai pour ma licence, vu que c'est une licence que je fais, me prennent énormément de temps et évidemment passent prioritaire vis-à-vis de YouTube, hein, vous me comprenez évidemment. Bon, autre bonne nouvelle, c'est que là donc je suis libre pendant toute la nuit, enfin toute la soirée, et donc là je ne dois aller nulle part, donc normalement cet épisode sera complet. Je vais tourner donc une partie entière, sans devoir me rendre, voilà. Donc c'est parti, donc finalement j'ai changé pour le... Comment elle s'appelle déjà celle-là? J'ai même plus le nom. Pour H tout simplement. Donc j'ai repris H pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Faut savoir aussi comment que le... Qu'avant d'être... Comment? Que sur World of Warcraft, parce que je parlais de World of Warcraft le dernier coup, j'étais démoniste, donc une classe DPS, donc j'aimerais bien retrouver une classe un petit peu du genre, une classe DPS, donc les archers sont plutôt de ce style là. Donc on va continuer là-dessus. J'ai vu que j'avais déverrouillé d'autres sorts, mais ils n'ont pas, enfin ils m'attirent pas plus que ça. Ça me parle pas plus que ça. Je n'ai pas jeté d'œil au niveau des maîtrises. Je devrais peut-être le faire maintenant. Mais écoutez, je coupe histoire de lire les maîtrises et voir ce que je peux faire avec. À tout à l'heure. Ok, donc j'ai lu un petit peu tout ce qu'il y a et je sais pas trop en fait si je dois mettre plus en défense qu'en attaque. Sachant que je n'ai que 2 points, donc je vais peut-être attendre d'en avoir un peu plus pour être sûr d'avoir un truc un peu équilibré. Et surtout, j'attends en fait que vos conseils. Je vais attendre vos conseils. Je n'ai pas le temps de me connecter à Résistance à Ecode pour leur demander conseil. Mais tant pis. Je leur demanderai conseil quand je pourrai. Et puis c'est parti. Donc c'est parti. C'est vraiment agaçant cette coupure entre
entre les deux menus. Bon, donc je disais ce coup-ci on est parti. Donc j'ai H, donc pour voir un petit peu ce que ça donne. Il me semble qu'elle a du mana, mais bon, ça devrait le faire. Les doigts sur Azer. Et puis on est prêt. Je devrais changer la touche B en V. Au niveau du pouce, ce serait peut-être plus pratique. Ou même carrément la barre espace. Bon, on verra bien. Bon. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des soucis, ça chargeait, il se passait rien et le client se fermait. J'espère, pour le moment, j'ai pas eu ce souci, j'espère que ça m'arrivera pas. Parce que là, ah non, c'est bon. OK. Bienvenue dans la faille de Non, tais-toi. l'invocateur. Il va Dans me la repasser faille tout le de tutoriel. Allez, l'invocateur, dépêche-toi. la victoire s'obtient en détruisant le nexus de la base adverse. Bah écoutez, je vous passe tout le blabla parce Il qu'on y l'a a déjà trois voies dans entendu. ce... Ok, bon, donc on se Je retrouve. ne Donc j'ai acheté les voudrais bottes pas... au magasin. Et on est reparti. Alors, je vais essayer quelque chose d'autre. N'oubliez pas de choisir une compétence. Ah oui. Salve, ça me plaisait bien. Allez, on va prendre salve. S'entraîner. Un sort de groupe, un sort de zone. Les pires sont apparus. Et je sais également qu'il y a d'autres Allez jusqu'à chemins. une tourelle ennemie. J'aurais Les bien envie d'aller détruisez-la. les explorer, voir un petit peu ce que ça donne. Mais peut-être pas de Ne ce prenez côté-là, du pas côté peut-être l'attitude des de la ennemis. faiblesse. Je sais pas du tout ce que c'est que les autres zones qu'il y a en dehors des tourelles, des trucs comme ça. Donc on va aller jeter un œil. Pile entre les deux. Tuez les sbires ennemis. Utilisez le sort rappel pour retourner à la plateforme d'invocation. Soyez prudent près des tourelles. Ne perdez jamais votre objectif de vue. Allez, lui, je peux le... Attention! Ok, bon, je l'ai... Oh, zut. Bon. Niveau gagné, je vais le mettre dans le premier sort, je sais pas ce qu'il vaut. Ouais, bon. Restez côte à côte, ta côte. Alors, je vais déverrouiller Allez dans la mon jungle écran. et tuez les loups. Voilà. Bon, et ben on est reparti. On va bien voir ce que ça donne. Là, mon micro. Exécutez. Voilà. Pour Freljord. D'accord, donc apparemment je peux spammer 1. Vous avez été tué. Zut! Ah oui, la vie par contre elle descend vite avec, avec celle-là. C'est vrai que je suis plus un tank. Par contre j'ai l'impression que mon temps de... N'oubliez pas de dépenser votre or. Comment dire? Un Le temps ennemi a qu'il été nous faut tué. pour régénérer est assez bas. Un allié a été tué. Je suis plus efficace quand j'agis de loin. Alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois que je vois quelqu'un jouer à LOL, il spam le clic. Nous devons faire vite. C'est quoi ce délire à spammer clic? Un
Non, non, ramène-toi, ça, ramène-toi. Je n'ai raté pas la portée. Un ennemi. D'accord, ok, en fait. Restez derrière vos sbires. Attention. Vous avez tué. Vous avez beaucoup d'or. Un allié a été tué. Attendez, faut que je régène. C'est pas dé pour régénérer. Ah non, je suis déjà servi. Ok. Attendez, je suis en train de me perdre là. Eux, je l'ai toujours pas essayé, je sais pas ce que ça vaut. Ouh, d'accord, ok, d'accord. J'avoue que j'ai un peu de mal à voir ce qui se passe à l'écran là, je sais pas pourquoi, je suis pas dans le jeu. Bon, on m'a dit également de faire plus attention là où ça poussait, comme on dit. Parce que la dernière partie, en haut, ça, comment l'ennemi avait pas mal progressé. Où est-ce que je suis? J'ai un peu de mal avec les sorts en fait. Votre tourelle est attaquée. Où ça? Ah d'accord, là-bas. Plus rapide que mes flèches, ça m'étonne. Attention. Oui, je sais, allez. Eh, on est presque à la partie. On l'a eu. Je régène. Bon, ça, en plus, ça, je régène mes alliés, donc c'est cool. Je commence à avoir certains automatismes du jeu. Gare aux embuscades. Invincible. Je suis morte. Meurs. Oh ouais, bah morte, ouais. Bah oui, mon personnage est une femme. Bon. J'ai l'impression que H a la... comment, régénère plus vite. Enfin, ouais, se revient plus vite en jeu. Je suis plus efficace quand j'agis de toi. Oui, non, 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 reviens, reviens. Reviens là. Unis, nous sommes plus forts. Voilà. Alors, on va prendre ça. Gagner de l'or en donnant le coup fatal aux sbires.
Ne baissez pas les bras. Ok, bon. Parce qu'il est vrai que je me sers pas vraiment des bonus, alors qu'ils peuvent être... qui peuvent être intéressants. Bon, je commande pas trop, mais bon, ce que je pense du jeu, à la limite, je peux vous le dire rapidement. J'ai du mal à adhérer au jeu. Déverrouiller la compétence ultime de votre champion. J'avoue, j'ai un petit peu de mal à adhérer au jeu. Mais en même temps, j'y ai joué assez peu, je pense, donc. Je pense que ça va venir. Il n'y a pas de raison pour que je n'accroche pas plus que ça. Restez derrière vos sbires. Nous sommes sur la ligne. Allez, dans 5 secondes, je peux réutiliser mon sort. Non, allez. Ne perdez jamais votre objectif. Votre tourelle est attaquée. Oh, zut. J'ai l'impression qu'elle régène vite hein, quand même, H. Vous avez beaucoup d'or. Oui, je sais, merci. Pile entre les deux yeux. Votre équipe a détruit une tourelle. Ok. Votre équipe a détruit une tourelle. Oui, je sais, c'est moi qui ai détruit. Bon. Oh. Bon, là je me suis fait défoncer. Tant pis, allez, F. Bon, j'ai beaucoup d'or qui me disait. Ah mais pas suffisamment pour me racheter quelque chose d'efficace. Domination. Connaissez le champ de bataille. Oui, bah merci. Ne prenez pas ma pitié pour de la faiblesse. Oh, c'est joli ça. Ne prenez pas ma... Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, oh, ne prenez pas ma pour une faiblesse, c'est j'ai le mot qu'elle a entendu et qu'elle a dit, j'ai... Ouais, elle va le répéter. Et en même temps, j'ai mis le son du jeu un petit peu bas, donc... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Attention. Je vais mettre un petit peu en retrait histoire de régénérer un petit peu ma vie si possible. J'allais utiliser mon sort de régénération, mais dans l'ensemble, mon équipe n'est pas très blessé, donc... Non, on est déjà là. Oh, bah, on va bien avancer, alors. Oh, ça avance bien, là. Ça avance bien, ça avance bien. A
Je vais directement m'attaquer à la tour, moi, parce que... Je suis taré. Allez, on va la voir, Bien. Détruisez l'inhibiteur ennemi exposé. Ah, puis j'ai une nouvelle vague de... Hop, prendre ça. Non, 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 casse-toi, 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 H, casse-toi. Votre champion est gravement blessé. Je sais, je sais. Ma visée est précise. Mana insuffisant. Oh merde, je manque de mana. Ah bah merci. Ah, ils sont pas mal les bots finalement. Bon. Putain, le bot il a carrément heal mon mana alors que... Allez, c'est parti. Le... Comment ça s'appelle déjà ce truc là? Inhibiteur, c'est ça, ouais. Votre équipe a détruit une tourelle. Ouais, cool. On peut... Je sors pas mal du Z. Il entre les deux yeux. J'ai 3600 d'or, la prochaine... Si je meurs, je... Je sais très bien ce qui va se passer, alors... Oh, mais c'est pas mal ça. Eh, attendez, attendez, attendez. On va se focaliser là-dessus. Casse-toi, H, casse-toi. Votre champion est gravement blessé. Je sais, je sais, je sais. Allez. Hein, pourquoi je peux pas attaquer ça? Ça a déjà été détruit. Ah d'accord, ça, cette gueule là quand ça a été détruit. D'accord, bon bah dans ce cas... Bon bah c'est fini alors. Oh merde, je suis mort. Bon, oui, je vais avoir du mal à me dire je suis morte, mais à chaque fois je vais le dire, c'est obligé. Je suis trop dans le personnage. Oh c'est bon, c'est bon ça. Allez, je réveillerai mon écran juste pour tout de suite. Ok. Alors, la main finie. Mais j'ai rien pour les... Dégâts physiques. J'ai rien pour les... Comment? Pour les archers ou alors l'âme bon, allez, on va prendre ça parce que ça a l'air... Faites un clic droit sur la mini-carte pour vous déplacer. Plus rapide que mes flèches, ça me... Et le bot là, Saraka, wow. Elle envoie du pâté. Elle envoie du pâté. Ah j'y crois pas, on est à 19 minutes et ils sont déjà bien en difficulté. J'arrive. Je fonce direct sur la tour. Je pose pas de questions. La victoire est proche. Détruisez le Nexus ennemi. Non, c'est génial. Ah c'est cool ce jeu finalement. Hein. Hop, direct, pose pas de questions. Oui! Oui! Ouais! Dans ton cul!
Ok, génial pour la coupure de frappe. Et là, le jeu lag un peu, je sais pas pourquoi. Alors, partie gagnée sans ça. Donc, bienvenue sur l'écran de fin de combat. Ici, vous pouvez voir les statistiques des champions et discuter avec d'autres invocateurs du combat. Ok, très bien. Passez la souris sur cette barre pour voir ce que sont les points d'influence que vous avez gagnés. Ces points permettent d'acheter des champions et des runes dans la boutique. D'accord, ok. Bon. Partie gagnée. 35. Bonus pays. C'est quoi pays? Ah, point d'influence, bah, je suis con. Ok. Ici, vous pouvez voir les statistiques détaillées de chaque champion. Cliquez sur les onglets du bas pour voir plus d'informations. Les onglets du bas. Ici, vous pouvez discuter avec les autres invocateurs. En faisant D'accord. un clic droit sur le nom d'un invocateur, vous pouvez aussi l'ignorer ou signaler son mauvais comportement. Très bien, ok. Ouais, ça sent un petit peu le rageux, hein. Enfin, ok, donc tout ça, c'est les objets. Est-ce que je les garde? Alors, est-ce que j'ai compris? On repart à zéro, mais est-ce qu'on repart à zéro aussi pour les objets? J'ai pas bien saisi le principe en fait du fait de repartir à zéro. Bon, apparemment, je suis niveau 2. Donc c'est pas mal. C'est ça, niveau 2. J'aimerais bien savoir où, à quel niveau sont les différents joueurs du réseau Résistance iCode. Mais les onglets du bas, il parlait des onglets du bas, mais il n'y a pas d'onglet. Et 5, 5 000 PO de gagné. Bon, d'accord, ok. Bah, c'est bien, écoute, accueil. Vous pouvez faire équipe avec d'autres joueurs pour affronter des bots et vous entraîner. Voulez-vous rejoindre une partie coop versus IA créée par Matchmaking? On est à combien de temps de vidéo? Attendez une seconde, je check juste environ à combien de vidéo, combien de minutes de vidéo on est. Mais à mon avis, on n'est pas très très loin, donc on va continuer, je pense. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il s'enregistre ici. Ma série s'enregistre ici. Ouais, normalement la dernière. On est à 25, on est à peu près à 25 minutes de vidéo. Donc, eh ben écoutez, on va continuer. Même si ça peut durer encore une fois jusqu'à 1 h 30. Match trouvé, accepté. Et qu'est-ce que je fais? Ah oui, j'accepte, allez. Ok. Champion. Vous êtes rusé, pas vrai? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a là? Renard à 9 queues. Ah d'accord, ok. Mais y a pas de statistiques détaillées et puis il y a trop à lire en 62 secondes là. Qu'est-ce qu'on a là? On a un guerrier. Ouais. Bon. Allez, on va prendre ça. Attire-d'elle. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Non, attends. Alors, je vais garder mon soin. Et apparemment, j'ai pas d'autre choix que de prendre fantôme. Parce que à chaque fois, parce qu'il me l'a remis l'autre. Regardez fantôme. Très bien, voir ce que ça donne.
préparez-vous, le combat va commencer. Ok, évidemment, il faudra que je relance Fraps. C'est mon... Ok, donc je disais, c'est mon premier combat en PVP. Donc là, je... Alors, c'est contre des bots, je le sais. Mais mes alliés sont des humains. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Et puis là, j'ai pris Anivia parce que, voilà, je sais pas, C'est bizarre. Ok, apparemment j'ai le taux de chargement de chacun des joueurs. Je suis à 100%. On est deux à 100%. Ok. Je vois que tout le monde a pris soin et sprint. Donc je pense que j'ai fait le bon choix au niveau des sortilèges. Du moins j'espère. On va faire comme l'autre partie, on va attaquer le middle. On fonce, on voit ce qu'on a. Alors, je sais pas du tout. Je sais pas du tout dans quoi je m'engage là. Je vous avoue que. En vert, c'est quoi? C'est mon ping ou c'est. Je sais pas. Ok, tout le monde est à 100%. Et maintenant? Ok. On va tout de suite commencer, c'est par les bots. Comme ça, ce sera fait. Slam Blizzard, ça c'est gratuit, on va prendre. Je sais pas ce que c'est, mais on va prendre. Ok, et on Je est parti. Je ne suis ni la première, ni la dernière. Oui, alors... Bienvenue dans la faille de la lance de glace. Cristallisation. Gelure. On va prendre lance de glace. On va voir ce que ça donne. Lance de glace. Je resterai attentive. Ok. Allez, on est parti. On va vers le middle. Cette corruption. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. J'avais dit que j'essaierais d'explorer ce qu'il y avait par là, mais... On va y aller le temps que les sbires apparaissent, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais certainement encore faire mon grenouille, mais bon... Des sbires sont apparus. Je donnerais 1000 fois ma vie pour Freljord. Ouais, mais t'as pas 1000 vies. Que Dr. Wook a plusieurs vies. Bon. Quelque chose d'antique se réveille. On va voir ce que ça donne. Ouh, ça va pas mal. Ok. Ok, ça a l'air d'être du corps à corps au niveau du combat, donc... Et je cogne pas très fort. Je suis la neige, le vent et la glace. Ah non, 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 je cogne au... D'accord, à distance, bon. Bon, ça serait pas mal qu'une autre vague arrive, voilà. Ouais. Quel changement ce vent apporte-t-il ? Oh, mais ça fait mal, ça, disons. Alors, eux, qu'est-ce que ça donne ? Ha ! Les ténèbres approchent. Ça, c'est violent.
Oh! Ah, c'est pas mal. Apparemment, j'ai réussi à me givrer le temps, en fait, de récupérer. C'est ça, ma compétence spéciale? Renaissance, ah d'accord. En fait, je suis une sorte de phénix de glace. Ah, mais c'est swag! Trouvez la paix. D'accord, et ça, en fait, c'est un mur de glace. Ok. Mana insuffisant, d'accord. Okay. Freljord s'éveille. Oh, en plus c'est moi qui claque en plus. Bon. Un ennemi a été tué. Ok, et puis apparemment le temps de régène n'est pas génial. Je lis pas ce que ça donne, je prends. Je sais que de toute façon ça peut que m'améliorer, donc. Chaque flocon a une histoire. Parfois j'ai l'impression que le son s'accote, mais je sais pas si c'est le son ou si c'est. Un ennemi a été tué. Apparemment je suis le seul au middle, donc en fait je vais faire un petit peu. Au fils de défense, je suis tout seul. Au secours. Les vents de l'hiver me guident. Je ne flancherai pas. Freljord s'éveille. Un ennemi a été tué. Hop, je peux débloquer mon arme spéciale, alors qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est une sorte de blizzard. Et puis ça reste longtemps en plus. Ah non, faut que je réappuie sur R pour le désactiver. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas malin. Résultat, j'ai plus vraiment de mana. Bon. Oups. Ah oui, c'est vrai, j'ai la renaissance. Ah mais bon. On pouvait éviter. Ouais, bon, voilà. Ah oui, d'accord, même dans cet état-là, je peux prendre des dégâts. Merde. Donc j'aurais dû fuir quand j'en avais l'occasion. Bon, je vais retourner au niveau de la tourelle, là, histoire d'attendre un petit peu. Je n'abandonnerai pas mon foyer.
temps de régénérer un petit peu ma mana parce que... Lance de glace. J'apporte la tempête. Ok, bon, j'ai pris le coup de main avec le... avec la mana. Alors, glace. Par contre, j'ai toujours plus de mana, donc ouais, donc la mana, je suis un peu limite. Casse-toi ! Tire-toi, tire-toi, tire-toi. Je renaîtrai. Non, t'as encore 115 secondes avant de te régénérer, là. Ouh, ah, ces attaques elles font mal quand même. Méfiez-vous du blizzard. Vous non. Avez été tué. Putain, les deux fois où... Ok, ils répondent pas sur le chat, donc je voulais leur demander leur niveau, mais... J'étais un peu trop près pour balancer ça. Endommager la tour, mais bon. Ok, en haut et en bas, il commence à avancer, mais... Ah oui, d'accord, bah oui, je suis con. Je parle peut-être à des Anglais. Donc ils ont peut-être pas compris ma question. Bon, on verra bien.
tué. La vie est si éphémère. Au nom de Dieu. Les vents de l'hiver me guident. Pourquoi je peux pas régène? J'ai massacré ma touche D et je me suis pas soigné. Pourquoi? Est-ce qu'on peut m'expliquer là? Votre équipe a détruit une tourelle. Bon ben oh, ça avance bien en tout cas. Je rêve d'époque révolue. J'ai que 900... Meurtre en série. Je ne flancherai pas. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que je peux plus lancer mes sorts en appuyant sur Z? J'ai dû appuyer sur une touche et j'arrive plus à activer mes sorts par les différentes touches. Bien sûr, ça, je l'ai pas laissé activer assez quelque longtemps. Quelque chose d'antique se révèle. Votre équipe a détruit une tourelle. Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Putain. Pourquoi est-ce que je peux plus utiliser Je peux passer en clavier QWERTY. Bah non, parce que le Z devrait marcher quand même. Enfin le E. Pourquoi mes touches ne marchent plus? Je donnerai mille fois bon. Ma vie pour Saint-Jordan. Bon, on s'en passera. Un ennemi a été tué. Je peux rien acheter. Comme ça, c'est réglé. Les répercussions prennent du temps. Oh, ça va être chiant si je dois tout faire à la souris. En plus, je rappelle que je joue au clavier tactile. Enfin, au pad d'ordinateur. Je joue pas à la souris, moi. Je suis un hardcore gamer. Je me fais cette spécialité de vouloir jouer ainsi. Si vous savez comment j'ai désactivé ces touches, dites-le moi. C'est pas en appuyant sur F12 en lançant frappe, j'espère. Bah non, de toute façon non, parce que ça l'aurait fait dès le début de partie. Ça peut pas être ça. Votre équipe a détruit une tourelle. Envoyez-nous. Génial, c'est H en face. Hein. Je suis la neige, le vent. J'entends quelque chose qui vibre, j'espère que c'est pas mon téléphone.
sais même pas où il est. Il est là-bas. Non, c'est pas mon téléphone alors. Bon. On est reparti ici. Ici, il y a quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Elle est vraiment destructrice cette attaque. Personnellement, j'approuve. Ah, ça y est, mes touches sont revenues. J'essaie de la balancer directement sur elle. Oh non, c'est pas assez évolué ça. Bah si, pourtant c'est à fond. On va essayer de développer ça. Ok, elle est partie sur la gauche, je sais pas pourquoi. Ok, je me tire. Je me tire. J'ai envie de taper help middle dans le chat, mais je sens que je vais passer pour un con parce que j'ai pas bien saisi l'histoire de middle. Putain, non, 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 non. Comment on fait des appels d'aide comme ça sur la map? Ah non, c'est le... D'accord. Un allié a été tué. J'attends que mes sbires réavancent. Je rêve d'époque révolue. Ok, et là je me tire, je laisse la merde. Bon, fou, je sais que mon pouvoir il va user tout mon mana, mais au moins je détruis la tourelle. Enfin, certainement. Oh merde. Ah non, trop loin à mon avis. Ah. Non, non, non. Ouh la gare. Ah non, puis j'avais, en plus j'étais en mode régénération donc. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt. Hein, il me plaît bien ce personnage là de l'oiseau de glace là. Enfin, en même temps, je suis sûr que tous les personnages se vaut hein, de League of Legends. Mais ouais, celui-là me plaît bien. Rune. Ah d'accord, ah ouais, c'est Run. Ah d'accord, ok. J'avais pas vu le nom du personnage. C'est pas de mon allié. Son pseudonyme est marrant.
À ce propos, c'est marqué MDJ de Normandie, moi. Ouais, c'est marqué MDJ de Normandie sur mon oiseau. Wow. Ok, alors. D'accord, donc apparemment quand je bouge mon pouvoir là de tourbillon, là par contre il s'annule. Faut croire. Donc c'est pas forcément une bonne idée de le laisser en fait. Quoique non, parce que oh, c'est bizarre. C'est bizarre comment ça marche. Eh, je suis sûr, n'empêche, les 10 morts c'est moi. Bon, on va dire 9 sur les 10. Par contre, on en a un qui est... Alors, j'ai pas bien saisi. Il y en a un qui a quitté la partie. Il va se faire report parce que je sais pas du tout comment ça marche quand c'est comme ça. Parce que je sais qu'il y a un système de report. Mais comment ça marche? De toute façon, c'est pas moi qui veux m'amuser à report les gens. Donc, c'est pas mon genre. Interruption. Ah d'accord, le temps de... Le temps s'affiche en bas à gauche. Ah d'accord, ok. Bon. Bon, au moins je saurai combien de temps je dois pas attendre. J'ai 3000, attendez, je peux acheter un truc là. Archimage, c'est pas trop mon truc. Alors... Un ennemi a été tué. Impossible. Ouh, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça, il a tué la hache qui était en ennemi. Quoi. Ouh, ça sent plutôt bon ça. Ça sent même carrément bon. Ouais, par contre, on n'a plus aucun héros en bas. C'est pas pour rien que ce jeu, enfin que cette série s'appelle un noob en mode lol. Hein. Bon. Un invocateur s'est reconnecté. Ok, bah c'est cool. Mon avis, avec les problèmes de connexion que chacun a, je pense que les reports pour déconnexion. Tente une percée par le haut ou par le bas.
Parce que là, il n'y a plus personne là-bas. Allez, hop, on va aller vers le bas pour voir un petit peu ce qui s'y trame. Ah non, 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 il y a un de mes alliés qui a été... Donc, je vais aller vers le haut. Je sais absolument pas si j'utilise les bonnes stratégies, mais bon. Les vents de l'hiver me guident. Doublé. Interruption. Méfiez-vous. Chaque flocon a une histoire. Ok. Tu vois pourquoi à chaque fois il l'envoie toujours à l'ouest ce soir. Les répercussions prennent du temps. La tour. Bon, 10 secondes avant ma réanimation. Bon, je suis un peu dans le jeu et je parle pas beaucoup, je le sais, je rentre dedans, hein, je rentre dedans. Cette corruption n'est pas non, pas par là, on va directement aller au milieu parce que ça a l'air d'être là-bas que ça se passe. Oh bah oui, mais ça se passe carrément par là quoi. Bon. Est-ce que j'utilise ma vitesse de déplacement? Allez, j'utilise ma vitesse de déplacement, à bien voir ce que ça donne. Ça me donne 27% pendant quelques secondes. 27% supplémentaire de déplacement. Hop. Je donnerai 1000 fois ma vie. Je rêve d'époque révolue. Bon, c'est sûr, il y a du niveau. Hein. Au niveau des joueurs qui m'accompagnent. Votre équipe a détruit une tourelle. Ah.
Nickel. Bon, j'avoue, c'est pas trop grâce à moi. Hein. Et les autres là, pouf, la vache, les autres ils sont balèzes. Ok, donc je disais avant d'être coupé, donc oui, il y a du haut niveau hein, chez les autres joueurs, hein, vu que les autres ont pas mal géré. Durant cette partie, je pense que j'atteindrai le même niveau quand même. Donc voilà, donc je pense que pour la prochaine fois, on se repartira vers un autre coop versus IA. Je suis niveau 3, je suis passé niveau 3, donc après la coupure là. Et donc voilà, donc je sais pas pourquoi, donc à la sortie, donc le récapitulatif, ah bon voilà, bref, vous m'avez compris, du combat a bugué, donc j'ai dû relancer le jeu, mais voilà, et donc on se retrouve là-dessus, mais c'est pour se dire au revoir, vu qu'on est à plus d'une heure de vidéo. Donc sur ce, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à apporter vos conseils dans les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt.